tous et on se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Reconning. Alors la dernière fois on s'était laissé devant cette porte, enfin cette porte ici tout du moins. Ceci n'est pas une porte ordinaire, impossible de l'ouvrir avec une clé ou un crochet. Pourtant c'est la cible de notre quête, donc je sais pas trop pourquoi. Il y a peut-être d'autres éléments de quête à aller voir avant. Donc on va quand même aller voir le reste, même si j'ai un petit doute. Enfin, on va voir. Ça m'intrigue fortement cette petite quête. J'espère qu'on va réussir à en venir à bout. Là, il y a un fragment, d'accord. Récupérer les fragments de bâton. Ok. Alors peut-être qu'avec l'aide d'un fragment, on a plus de chance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nope. Yep. Ok. On va aller ici et on va voir un petit peu. A priori, il y a un fragment à récupérer. Il faut peut-être les deux pour y aller, je sais pas. Ouais. Bienvenue. Merci. Alors. Ça serait ici. Maison d'Agni. Récupérer croc divin, d'accord, ok. Ça c'est fait. Donc on rentre chez les gens, on pique. J'ai rien fait, non je m'inquiète pas. Ok, alors ensuite l'autre était en dehors du village, par là. Mais tant qu'on est au village... Vous revoilà. Oui, 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 c'est moi. What, what? Ici, ouais. Ah oui, c'est vrai que je devais t'aider, toi. T'es toujours en train de pisser le sang depuis 10 mois. Tout va bien. Donc ici, ouais, il va y avoir un guérisseur ou une guérisseuse pour enlever toutes les malédictions à la mort moelle nœud qu'on s'est coltiné. Bien, bonjour. Est-ce que c'est bonjour, je suis Orcathétrane, ah, la guérisseuse du village. Vous venez d'arriver à Emaïr et je me trompe? Je n'oublie jamais un visage. Ok. Soigner. Non, conjurer les malédictions. Voilà. Faites-vous partie des réfugiés? Au revoir. Prenez soin de vous. Dis donc, ouais, ok. Bien le bonjour. Et je peux lui parler? Personne ne m'aidera. Ces réfugiés vous font les poches si vous les laissez faire. Vous avez entendu parler du vol de mon amulette? C'est la pire des tragédies. Autre chose? Je vous ai déjà tout dit, non? Oh, c'est bon, Léo. Au revoir. Comme tu m'agresses, là. Ton amulette, tu peux te la fourrer où je pense. Sans déconner. Ah, je supporte pas, les mecs, tu les aides, tu te parles comme ça, là, comme un chien, c'est bon. Alors que l'autre va se fourrer son amulette où je pense, nous, on va aller récupérer nos petits bâtonnets. Histoire de voir si ça débloque quelque chose au niveau de la porte. Ah, vous avez trouvé... Oh, j'ai l'épée. Bon, oh, allez, on va se passer un petit peu à l'épée. Hop. Yeah, ça a la classe. Et c'est vraiment dommage que j'ai mis des points en fait en combat parce que finalement, je pensais pas que la spécialisation magie allait aussi comprendre des spécialisations d'armes et de combat, parce que finalement dans l'optique d'un mage il y a aussi le chakram et du coup on arrive à relativement bien se battre armé en dehors des sorts, et moi je pensais que la magie c'était que les sorts etc, et du coup j'avais mis des points en armes pour me battre également à l'épée, mais ça sert un peu à rien avec les chakrams. Donc tant pis. Peut-être qu'après j'irai redistribuer mes points en parlant à je ne sais plus qui, mais je me souviens qu'on pouvait. Oh what, pourquoi tu lags comme ça? Donc, tu rames. Enlève-moi le pop-up. Voilà, merci. Hop. Alors. Et donc c'est... Ah ok. Hello. Vous êtes sur mon chemin. Mieux vaut vous écarter avant que je ne vous jette de la falaise. J'aimerais votre bâton. Vous plaisantez. Je ne vous connais pas. Je ne vous fais pas confiance. Et je n'aime pas votre air.
Mais pourquoi êtes-vous si fâché ? Je suis accablé par des visions que vous appelez l'avenir. Un récit qui dépasse le présent. C'est la faute de cette nouvelle déesse. Elle obscurcit mes pensées. Elle me trouble. Je le rapporterai. Les mortels adorent les tours, mais moi non. D'accord. Mon heure a sonné. Les murmures me l'ont dit. Bah, tout m'intéresse toujours. Combien de fois vais-je devoir vous demander de partir ? Ne me provoquez pas, mortel. Combien de fois vais-je devoir vous demander combien de fois vais-je devoir vous combien de fois okay. Allez-y. Bah écoute, je peux pas te buter ? Si, H. Ouais, ok. Ouais. C'est toi. Oh, le spécimen. Hop là. Et voilà. C'est une technique comme une autre. Et là, il y a un truc caché. Hop là, vous avez désactivé le mode agression. C'est parfait. Alors attendez, j'invoque mon ami, le squelette. Allez, on va utiliser le mode du jugement. Est-ce que j'ai pas une petite popo ? Ouais, hop là. On va gagner un peu plus d'expérience. Bon. Ça va pas être faramineux, mais... Ah non, merde. Putain, je suis encore planté. Ah d'accord, là je suis bête en fait. Je me suis planté de touche, je sais pas ce que j'ai fait. Et oh, très bien. Mais j'ai enlevé le mode de jugement, je sais pas ce que je voulais faire, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Faut pas trop me demander de penser à plein de trucs en même temps non plus. Un peu trop compliqué pour moi, a priori. Alors toi, tu peux pas t'échapper comme ça, même si t'étais pas avec les autres. Hop. À l'aide, qu'est-ce qui crie à l'aide ? Personne, c'est dans ma tête. Alors, est-ce que en retournant ici, on va pouvoir avancer ? Il y a plutôt intérêt là. Alors, objet. Oui, j'avais pas lu ça. La tempête divine, le rêve de Dulstan. Ouais, on s'en fout un peu. C'est pas là, je suis plutôt accessoire. Dégâts physiques. Ah oui, tiens, je peux mettre ça à la place de ça. Hop là. Et du coup, ça, je vais le bric-à-brac. C'est pas inconsommable. Il y a tout ce que j'ai ramassé. Oh mince. Les éléments de quête ne me servent à rien. What? Ah si, c'est ça. Est-ce que ça m'aide à passer ? Non. Oups. Excellent. Classe le bâton. Non, ça fait rien. Ok, et donc l'autre. Ouais, vas-y. Oh, ça c'est puissant. Et donc, non, ça n'aide pas. Alors là. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à ouvrir cette porte ? Ah, oh, je suis déçu. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est ça le bête là. En train de manger de la charge.
Oh bah, on va peut-être pas tourner indéfiniment là-dessus. Bâton de l'aube. Ok. Je vais vérifier un autre truc. Est-ce que je suis pas stupide ? Fort probable. Ouais, bah écoutez. Je suis peut-être vraiment stupide. On va passer par là, on va faire toute la grotte quand même. Ça se trouve, je veux absolument passer par là et ça sert strictement à rien, c'est la sortie rapide. Et je vais bien avoir l'air stupide pour changer. Et mon pote, voilà. Les voleurs kobold. Et donc a priori, au niveau des pierres à trouver, il y en a 15. Donc on ira faire ça. Ok. Je sais pas combien on a trouvé. Et j'aimerais bien aller voir les réfugiés également un petit peu. Traité sacré. Ok. Ça m'intéresse pas mal. Donc ouais, je crois que j'ai fait gros boulet, d'accord, ok. Plus stupide, tu meurs. Bien le bonjour. Souhaitez-vous me rejoindre ? Vous semblez avoir besoin de quelques instants de profonde réflexion. J'aimerais votre bâton. Cette vieille canne tordue ? Je ne vois pas en quoi elle pourrait vous intéresser. C'est un assemblage de divers morceaux quelconques. Mais j'ai tout de même consacré de nombreuses heures à sa confection. Voyez la corne sur mes mains. Je m'en séparerai moyennant finance. 3008, ouais, bon, allez. Je n'aurais pas pu m'en départir pour moins, vous comprenez? Le travail de tout homme a sa valeur. Ouais, c'est ça. J'espère que vous l'apprécierez. À bientôt. Ok. Au revoir, alors. Alors, forger les bâtons. D'accord. Alors, d'abord, on va récupérer ça. Quand les chapardeux. Yup. Alors, où est-ce qu'on doit les forger? Bah, une forge, tout bêtement. Je suppose que une forge classique. Et là. Une seule bête comme ça. Hé hé, c'est pareil. Pour une fois que j'y pense, c'est ça. Cool. Hop. Et toi, il te reste encore un peu de vie. Hop, chardon étoilé. Oh, encore un truc à dissiper. Putain, je comprends rien, quoi. Ah, ça m'agace. Je croyais qu'il fallait cliquer sur les mêmes symboles. Enfin... Topi topi. En plus, c'était des loots tout pourris. On va se soigner. Hein. Je me mets à l'abri d'une mauvaise rencontre. Et peut-être tu es tranquille. Je sais pas ce que tu fais. Ouais, ok, pourquoi pas. Hop, les portes secrètes, c'est marrant ça. D'autres kobolds. Ah, si on se fait vraiment pas toucher, qu'on les enchaîne bien les ennemis, le jugement ça monte très très vite. Et voilà, c'était la porte que j'essaie d'ouvrir. D'accord, ok. Bon, on n'aura rien vu, on dira rien. C'est pas grave. Du coup, on va retourner ici. On va bien y trouver une petite forge. Je suis toujours en train de crever. Une forge. Oui, un truc à récupérer dans le puits avant.
pièce. On dirait pas, c'est pas une enclume. Ne vous attirez pas d'ennui. Non, non, je regarde juste. Hey! Un hôtel. On va aller voir ici, tiens. Pour faire de l'alchimie. D'accord. Rien de plus. Donc, ah oui, d'accord, c'est l'autre zigoto. On va la laisser. Et donc, j'ai pas vu de forge. Formation guérison, armurerie, si, si. Doit y avoir ça. Ah! C'est pas le symbole en fait. Il est pas à côté, mais là. Putain, je fais vraiment que de la. Je fais vraiment n'importe quoi. En ce moment. On va aller voir l'étage. Au pire, on visite, hein. C'est pas grave. Bien, bonjour. Façon... Ouais, ok. Pas grand chose. D'accord. D'accord. Bon. On va faire un truc que je fais d'habitude. Nope. Voilà. Allez, toujours dans la même ville au moins, comme ça on se perd pas et on perd pas de temps. Je vais refaire le malin, à visiter des trucs et tout, et je me paume comme à chaque fois. C'est pour Poitrick. Hop. Voilà, plus facile à trouver. Et donc a priori j'espère que c'est bien ça, histoire de lui forger son bâton. Donc c'est devient dans armes. Bâton. Je voudrais bâton. Bâton. Nope. Oh non non non. Besoin de quelque chose? Web. Alors, la quête. Je dois trouver une forge pour pouvoir restaurer le tarse. Hein. Il me semble avoir vu une près de la taverne de l'ours bleu dans le village des mers. T'es un sérieux, quoi. Vive les allers-retours. Faudrait que je fasse un peu plus attention, hein. Pourquoi ça ne m'apparaît pas sur ma minima plaquette? Elle est pourtant quête active. Démonter leurs armes et reforger le bâton d'origine. Près de l'ours machin. L'ours bleu. Donc c'est bien là. Il va y avoir une forge à côté. Il y a un coffre que j'ai déjà pris. Alors. Ah, voilà. Démantelé. Ok. De toute façon, je vais tout démanteler. Hop là. Et une fois démantelé, ok, fabriqué. Je mets des trucs pourris. Ok.
Votre travail, vous avez réussi à fabriquer un objet. Ok, d'accord. Entrée. Ok, tarse de foudre. Non, ça me fait juste un bâton. Et maintenant, faut que je fasse le crépuscule de givre. A priori, j'ai récupéré tous les éléments qu'il me fallait, donc je dois pouvoir le crafter. Est-ce que j'ai bien tout démantelé? Bah, a priori, oui, de toute façon. Ah oui, c'est ça, crépuscule de givre. Et le feu d'Under. Hop, hop, hop. Bâton, je vais le faire quand même. Oups. Oups, oups. Alors il m'en manque un. Je peux plus rien récupérer. Ok. On est pas dans la merde. Ok, j'ai pas tout compris. J'ai dû faire une grosse bourde. Ok, bon. Bah. Ouais. On va casser des trucs. Bon. Bah écoutez, on va se faire autre chose. On aura perdu pas mal de temps. Tu es chaman, machin. Ouais, pas. Le vieil ami, il était où? Vous revoilà! Oh d'accord, ok, il est tout là-bas, donc ça sera encore plus tard. Et donjon de machin. Ça me chagrine ça. Voyons voir un truc. J'en avais un d'équipé. Nope. Oh le gland. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Non, feu d'under. Marteau. Bâton. Voilà. Ce qui est équipé sur moi. Je suis juste supra con aujourd'hui. Hein. Je suis juste supra con. Putain. Par contre, je l'ai pété l'autre. Putain, j'espère que je vais pas faire bugger la quête. Je n'ai pas fait exprès. Soit. Apparemment, c'est bon. Le sommeil profond avait prédit votre venue. Et bien d'autres choses à votre sujet. Vous étiez destiné à trouver les bâtons, à les reforger et enfin à les conserver. Les miens ne craignent pas l'hiver. Mais les nuits sont de plus en plus glaciales et l'air est saturé d'exhalaisons morbides. Il semble que les mortels nous survivront. Prenez les bâtons, brandissez-les. Ils vous ont invoqué comme ils ont autrefois invoqué la foudre et le feu sur la terre. Ne vous découragez pas lors de votre périlleux voyage. Ok. Bon bah ça va, c'est passé. Adieu. Ouf. Et ben on aura galéré, hein. Enfin, j'ai fait vraiment n'importe quoi sur cette quête. C'était pitoyable. J'aurais bien fail. On aura mis quasiment une demi-heure juste pour récupérer trois bouts de bâton et les reforger. Mais enfin, soit.
on y est arrivé, c'est quand même la bonne nouvelle. Bon, on va aller regarder un peu. Ils sont toujours avec leur petit campement ici. On vous a à l'œil. Ouais, ok. Vous faites toujours rien de spécial ici, des rats géants, ok. Toujours pas mieux. Ok. Alors, carte locale. On va aller un peu plus au nord, histoire de terminer la petite visite de cette partie de la carte, tranquillement. Oh là là, putain. Je suis bien dégoûté d'avoir mis autant de temps juste pour ça. Il y a des jours où ça veut pas, et aujourd'hui ça veut pas du tout. Ah, heureusement qu'il y a ce magnifique paysage. Pour se remonter le moral. Yup. Il va y avoir peut-être un petit, une petite pierre ou un petit hôtel à activer dans la zone d'ombre. Ce serait cool. En tout cas, là, il y a un petit truc caché. Là-bas, il y a des loups. Allez. On est bloqué par les bouts de décor à chaque fois. Là. Hop là. D'accord. Oh, c'est rigolo, il se déplace en mode et tout. Pour le plaisir. A priori, il n'y a rien dans le coin. J'espère que j'en aurai pas loupé. Quelque chose là-bas. Bon, on va aller là-bas. Yep. Allez. Direction ce point de quête. Histoire de clore tout ça. Bonjour. Ah oui, c'est la stressante. Je pense qu'on aura tout fait dans ce petit bout. Ça sera pas mal. Et oui, il faut que je fasse les potions de niveau supérieur. Faut absolument que j'y pense. Hop, ah zut. Il manquait juste un petit coup. Alors, il doit être là. Et juste dans une pauvre tente toute pourrie. Il était temps. Loué soient les dieux. Quelqu'un, enfin. Oui, je suis le gredin que vous cherchez. Oui, j'ai poignardé mon associé dans le dos. Faites ce que vous voulez de moi, mais par pitié, prenez l'amulette. Je vous la donne. Pourquoi cette obsession? Je vais vous expliquer. Cette babiole Faé appartenait à Aman l'astucieux. Elle est maudite. Comme beaucoup, je croyais que ce n'était qu'une histoire des pérégrins. Mais maintenant, j'y crois. Il existe bien. Mes cicatrices le prouvent. Votre seul espoir, c'est de la donner à un autre, ou de vous rendre à la caverne d'Aman pour briser la malédiction. C'est pour ça que je suis ici. Tenez, prenez l'amulette. Je suis trop faible pour résister à son influence. Si je la garde, je finirai par mourir. Je prends l'amulette. Quel soulagement! Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'essaie de m'en débarrasser. Pour lever la malédiction, vous devez apporter l'amulette à la caverne de Syl et la purifier. Aman veut vous attirer dans son antre plein de dangers. Une fois cela fait, l'amulette sera à vous. Si vous voulez mon avis, c'est un prix bien élevé pour une babiole sans intérêt. Au revoir. Ça peut être intéressant. Et j'ai plein de malédictions, de toute façon j'ai l'habitude. Hein. Ça me fait pas peur.
Je suis un habitué des malédictions et je dois aller donc plus par là. Allez, on se téléporte de ce côté-là. Et voilà. Ça ne me fait point peur. Je vais regarder quand même exactement ce que nous infligent ces malédictions. Alors, c'était où capacité, non. Destinée. Nope. Technique. Nope. Situation. Et puis, pire des anciens. Ah, d'accord. Yolvan. Ah, ouais, yes. D'accord. Ça, c'est cool. Destin, d'accord. Tour. Effet. Alors, chaque fois que vous frappez un ennemi, vous risquez de recevoir un éclair, même si le ciel est parfaitement dégagé. 15%. Chaque fois que vous frappez un ennemi, vous risquez de recevoir une couche de glace. 18%. Et 20% de chance de vous enflammer. D'accord. Ok. Même pas peur. On va s'en prendre plein la tête. Ok, ok. Il suffit de pas se faire frapper. Ah non, c'est à chaque fois que moi je frappe. D'accord. Ah oui. Ici avec mes sorts. Et bah notre ami squelette qui nous redonne pardon, de la vie va nous être bien utile. Allez. Cette caverne ne devrait pas être trop grande, je pense. Et pour attraper mes multiples fails, on va se faire ça en bonus. Oh non, on va dissiper, ça va aller. Et bloqué par une plante. Et donc ouais, pour attraper un petit peu l'épisode pas très intéressant, on va finir sur un truc qui l'est un peu plus quand même. Hein. Si je fais des attaques au corps à corps, en fait, j'ai l'impression. Ah bah, il dit ça. Ouais, au fond. F. Bon, ça a l'air d'aller. Là. Il y a du loup. Heureusement que ce ne sont que des loups. Hein. Ce serait des démons. Je ferais peut-être pas autant de mal. Hein. Vive les chakras. Aïe. Bête. Ouh. Alors, petit squelette, tu vas même pas toucher? Oh, déconner. M'habitue à mieux quand même. Hop. Alors, la suite des aventures. Ok. Une petite salle en plus. Et une sanguine. Ok. Hop. Faut des tempêtes. Ça a l'air intéressant ça. Secondaire.
Non, pas tant que ça. Ok. Alors, arme principale, vous vouliez des lames faille. Pour rigoler, ok. Voilà. On essaiera un petit peu. Ouais, effectivement, vu qu'on n'a pas de points dessus, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ouch! Tu es cette satanée buette. Voilà. Quand c'est des ennemis un petit peu plus coriaces, la malédiction est un poil plus embêtante. Mais bon, ça va aller. Eh sale bête, je déteste ces trucs là. Alors, quelques buettes. Je fais attention à ma vie quand même. Hop là. Toute la championne. Et voilà. Nickel. Oh, no mana. La suite est bien là. Ouais, que je ne tombe pas comme un idiot pour rien. On a assez fait de bêtises. Alors, il y a un petit rassemblement. On va se prendre une popo de mana. Ouf. Ah, je les laisse. Donc, non, c'est le gros. Allez, le gros. Voilà. Voilà, on va pas se casser la nénette. Tiens. Voilà. On va faire subir le même sort à tes sbires. Oh. Excellent. Terrible. Excellent, il ne l'avait jamais faite celle-ci. Chakram torsionnaire. Dakodak. Et bon, on n'était pas full life. Hein. Voilà. Et donc ici, on peut la purifier. Vous posez l'œil d'Amon sur le tel et son éclat s'intensifie un instant avant de s'éteindre. Ok. Ok. Ça c'est machin. Et du coup, la porte dérobée. Nickel chrome. Et bon, on va aller lui rendre son amulette. Alors j'ai 2 points. Faites attention à vous. Vous l'avez ? Incroyable ! Vous êtes en vie ? Les dieux sont bienveillants ! Oui. Alors, j'ai l'amulette. Formidable ! Donnez-moi ça ! L'amulette ne vaut même pas le prix de la pierre dans laquelle elle est taillée. Mais c'est son histoire qui m'intéresse. Le fait de posséder un objet d'Aman. Va te soigner, hein ? Allez, tiens, prends-la. C'est ce que j'aime chez vous. Vous préférez l'action aux paroles. Vous irez loin, comme moi. Enfin... Comme moi, avant qu'on me trahisse et qu'on me laisse pour mort. Au revoir. Ok. Tu me filais des trucs tout pourris en échange. Hein. Ah sinon, voilà. Pierre physique, ça c'est pas trop mal. Ok. Eh ben, on va regarder quand même le chakram. Qu'on a récupéré. Et c'est moins bien. Tant pis, ça fera toujours des éléments... À démanteler, voilà, je cherchais le terme. Allez,
sur la fin. Voilà, on a tout démantelé. Ça nous fait des objets en plus. Voilà, voilà. Et bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode qui aura duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. À demain.